Petite impro avec le Looper Boss RC300. Salut, on t'a déjà sur cette chaîne présenté des loopers. Avec mon pote Alain, on t'avait fait une démo du premier modèle simplifié. On a ensuite expliqué un petit peu comment on pouvait bosser avec une grosse machine telle que le Boss RC300. Et aujourd'hui, je te propose de faire une petite impro uniquement avec la voix. Jusqu'à présent, on avait travaillé avec la guitare ou guitare et voix. Et là, on va bosser exclusivement avec la machine et ma voix. Juste avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Comme tu le vois, elle est très riche en sujets autour de la voix, de la musique. Donc, si toi aussi, tu veux apprendre à bien chanter, tu recevras des notifications si tu cliques sur la petite cloche. Toutes les semaines, 3 nouvelles vidéos sur des thèmes divers et variés pour te faire progresser. Tu rejoindras ainsi les plus de 15 000 abonnés à cette chaîne. C'est parti, on y va. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va laisser tourner la caméra et on va partir dans une petite impro. On verra bien ce qui se passe. Si je me plante, si c'est faux, si machin, franchement, ça arrive à tout le monde. À ce moment-là, j'effacerai la piste, je remettrai une piste et on continuera. Alors. Hey, na na na, hey, da 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 da. Hey, na na na, hey, da 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 da. Hey, da da da, hey, da da da. Hey, da da da, hey, da da da. Ah!
Petite impro. Alors en fait, ça pourrait durer longtemps, mais on est obligé de couper parce qu'on n'a plus assez de cartes mémoire sinon. Donc comme tu le vois, cette machine est vraiment magique. Tout ce que je viens d'enregistrer, si je le souhaitais, je pourrais le sauvegarder dans un ordinateur, je pourrais retriturer les choses. Ça peut me servir comme une base de travail pour simplement commencer à écrire un morceau ou tout simplement comme une base d'impro pour m'exercer à improviser. Mais tu vois que les possibilités sont vraiment immenses. Je pourrais aussi aller voir des musiciens en leur amenant ça et un bassiste par exemple pourrait faire ma basse, un batteur pourrait se installer dessus, un percussionniste, un guitariste et on pourrait continuer comme ça de manière illimitée. Donc nous, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, ce que je te propose pour aller plus loin, pour te remercier d'avoir écouté mon impro jusqu'à la fin, c'est de t'offrir des cours de chant. Gratuitement, tu vas pouvoir recevoir des vidéos d'exercices que j'ai enregistrées pour toi. Donc tout ça pendant un mois. Pour ça, rien de plus simple, tu dois juste me laisser ton prénom et ton adresse mail en cliquant dans le lien juste ci-dessous ou en cliquant ici sur le bouton qui s'affiche. Je t'enverrai toutes les semaines des vidéos. Alors ces vidéos, je les ai tournées avec mon piano. Je fais des exercices pour toi, je les fais avec toi, je te guide. Tu as juste à te laisser faire. Je te dis à très bientôt et prends bien soin de ta voix. Ciao !